Wesh wesh canne à pêche, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Minecraft. Mais je suis pas tout seul, je suis avec Nino, bon enfin je crois. Oui. Ah, je l'ai entendu. Nino t'es où? Quoi? T'es où wesh? Je suis dans ta nouvelle maison. Ok, elle est où cette nouvelle maison? Bah elle est à côté, là, viens, je suis à ton appart, vas-y rejoins-moi. Ah c'est les bouses que je vois là, ah, ok attends j'arrive. Nino. Et c'est les bandes des bolos. C'est quoi ce machin là? Ah bah ça c'est ta maison parce que comme t'as un rat, bah du coup je t'ai fait un terrier. Ok, attends bouge pas, ne bouge pas hein, t'es bon. Attends. Tu répètes, vas-y. Attends, tu l'as sorti d'où ce trident? Bah de ma poche. Il est sorti de ton huc ce trident. Vas-y, répète. Non pardon. Non. Nino, Dang. Bouge pas, t'es où là? Quelque part. D'accord. Viens à côté là. Mais non, vas-y, c'est bon, tu commences gros, je t'ai fait une maison, regarde, regarde le trou que t'as fait là-bas, là, t'as fait un terrain de foot. Regarde ce que j'ai dans la main, viens à côté Nino. Je suis bien là. Aujourd'hui on se retrouve avec Nino pour un truc un peu particulier. Nino, aujourd'hui je t'ai réservé une surprise plutôt marrante. Marrant ou marrant pour toi? Bah marrant pour moi, comme déjà regarde, j'ai exposé ta maison, mais tranquille, est-ce que t'es prêt à t'amuser avec moi là aujourd'hui là? Je sais pas ce que ça veut dire, mais généralement quand tu dis un truc comme ça, c'est que ça va être grave chelou, donc je suis pas très chaud là. Ouais, mais tranquille. Bon, avant que ça commence... Oh, y'a halouf. Non, Nino, laisse-moi finir. Mettez un like sans je vous fume. Nino, toi aussi, y compris, hein, bien sûr. Oui, bah, mettez un like. Même moi, j'ai mis un like. Ouais, il a mis un like. Et puis, on peut commencer. T'es prêt ou pas, Nino? Vas-y. Bah, vas-y, let's go, alors. Ok Nino, arrête de jouer, vas-y viens, regarde, on a spawn à côté d'un village. Bon, je t'explique pas ce que c'est pour l'instant, ce que j'ai installé et pourquoi on va s'amuser. Mais tranquille, ça va être marrant. T'es vraiment chelou hein. Mais je suis pas chelou, je te dis juste que ça va être marrant et qu'on va s'amuser et qu'on va rigoler comme de bons amis. D'accord. C'est quoi ce d'accord là? Oui non, parce que c'est un d'accord d'amitié quoi. D'accord. Eh viens voir, je vais te montrer un truc d'accord. Regarde ce qu'il fait. Oh trop mine. Wesh. Qu'est-ce qu'il fait là? En gros, il sautait sur lui, mais dès qu'on l'a vu, il s'est barré. Oui, non, je suis pas tombé en même temps. Il t'a regardé, il s'est dit, oh lui, je l'aime pas, il s'est barré. Ça se fait pas quand même, mais bon. Bon, Nino, récupère. Oh, attends, viens, vas-y, avance tout droit, ferme les yeux vite fait. Ah, merde. Oui, j'avais pas vu. T'es sérieux, gros? Pas de ma faute, c'est la gravité. Non, mais attends, on est dans un village, pourquoi y'a une crevasse comme ça? Je sais pas, moi. T'imagines le petit là qu'on vient de voir il y a 2 secondes, là, le dézingué du cerveau, il court et paf, il tombe ici, il meurt. Il se casse la gueule, bon, tranquille, ça va, c'est des acrobates. Jax, y'a les golas en bas. Jax, y'a une boîte à monter. Attends, j'arrive, bouge pas. Aïe! Fuis, Nino, fuis! Le gars, putain! Gros, et il met une flèche, je suis mort. Bon, et sinon, ça me dit pas ce qu'on est censé faire là, je suis mort de faim et à part ça. Reviens au village, je vais t'expliquer, vas-y, viens. Bon, Nino, pendant que je pille la maison de sa pierre, qui n'ont pas besoin de pierre d'ailleurs, hein, comme un pilleur de maison, je vais t'expliquer. Ça te pose un problème? Non, vas-y. Je vais t'expliquer pourquoi je t'ai amené ici et qu'est-ce qu'on va faire. Juste avant, je me prépare un peu, parce que moi j'ai pas envie de mourir, toi à la limite je m'en fiche, mais moi j'ai pas envie de mourir, donc je me prépare un peu de stuff. Quoi mourir? Non, ça y est, je le savais. Ok, Nino. Bon, les... viens voir, je vais te montrer un truc marrant. Marrant? Ouais, marrant, t'inquiète, c'est toujours marrant avec Ninjax. Ok, Nino, tout à l'heure quand on a spawn, t'as vu, il y a des petits cochons et tout. Oui. Ouais, viens. Bah, tu sais, il faut de la nourriture. Je commence à avoir faim. Tu peux faire un truc pour moi, s'il te plaît? Non, tu vas encore tuer des animaux. Ouais, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour qu'on vive. Donc, tiens, je te donne cette pelle. Mais t'es malade ou quoi? Tu veux que je mette un coup de pelle au cochon? Ouais. Mais t'es un malade, moi je vais le taper avec la porte direct, c'est mieux. Bah, vas-y, ok. Vas-y, et tape-le. Tranquille, si je suis loin, c'est normal. T'as peut-être sans défense, le pauvre. Non, tranquille. Fais gaffe, il vient vers moi là. Vas-y. C'est qu'un hellouf, gros, c'est ouais, rien. Pourquoi ouais, t'as peur? Ouais, c'est un cochon, mais tranquille. Vas-y, Nino, vas-y. Elle est où là? Y en a pas, c'est un cochon. Comment il tient dessus? Bon Nino. Il chase, il te court après. Non, ça va pas. Bon, y'a moyen que tu t'es fait courser par un cochon gangsta là. Il est où là? Il est mort. Il y a son cadavre qui remonte doucement. Non mais attends gros. Regarde, il y a son cadavre au milieu de l'océan. Attends. C'est bien la plus chelou, on est d'accord. Alors, tu veux donc là, il y a un cochon, il m'a braqué là. Ouais, exact. J'ai bien dit potentiellement, transformé tous les mobs en mobs chelous. Hein? Genre là, on vient de... Genre là, c'était un cochon gangsta là. Quoi, ça te plaît pas? C'est un hellouf des bloods. Il a sorti un colt. Il a sorti un colt, il t'a tiré dessus, ouais. Bon, bah, on va s'amuser à essayer de découvrir tous les mobs qui sont changés, hein. Non mais gros, attends, un cochon avec un colt, mais ils vont sortir quoi, les autres? Je sais pas, un bazooka? Je sais pas. Putain, mais j'ai une porte, et je peux pas l'utiliser comme bouclier.
Non, un bouclier c'est un bouclier, une porte c'est une porte. Oh le gamin. Bah ouais, écoute, hein, y avait une forge, bah, j'en ai. Mais attends, y en a une deuxième là. J'en ai deux si tu veux. T'es Gucci là. Donc là, je vais me protéger d'animaux qui vont être armés avec une paire de bottes. Ouais mais écoute, regarde. Moi je suis Gulliver moi. Mais non, mais moi je vais grandir et je vais les écraser. Mais non, moi je suis le caméraman, c'est normal que j'ai la meilleure armure, je sais pas, ça me paraît logique. Et alors, t'es le caméraman, moi je suis le copilote frère, tu veux pas laisser, tu vas pas bah, me laisser t'es mourir. Le co, voilà, c'est bien comme on dit, t'es le co, t'es le deuxième. Je viens d'y penser. Quoi? Si quand on frappe les animaux, ouais. Ils se transforment et ils ont une arme. Ouais. Ça veut dire que. Ah non. Non, parce que comme t'es un rat, du coup, je me suis dit peut-être que. Espèce de sale bâtard. Je te jure, viens ici, arrête de fuir. Tiens, y'a un trou qui t'attend, il est juste à côté. Non, hein. C'est mon frère, tu vas retomber dedans, Nino. Attends, non. Eh, t'as vu? T'entends? Oui, moi aussi, je l'entends, mais je sais pas où il est. Là, y'a un forgeron. Eh, Minou. Il est en bas. Le petit chat? Il est en bas, il est en bas. Dans le trou? Il est là, mec. Il est juste en dessous. Oh, le pauvre, il est bloqué. Ouais, moi je dis, faut que t'ailles le sauver, Nino. Ah, mais comment je vais l'aider? Bah tu le tapes. Ça va petit chat? Non mais moi je vais pas attraper. Et je m'appelle pas Ninjax moi hein. Mais je suis sympa moi. Ok Nino, je te laisse deux choix. Quoi? Soit tu tapes le chat, soit le villageois. Eh ben moi je dis, il y a un troisième choix. Ouais. Voilà, t'es en sécurité le chat maintenant. Non mais le villageois à la limite, ok, je veux bien le frapper, mais attends. Pour nous aider, il faut qu'on teste. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, je voulais tester. Il a un minigun. Oh non, on est dans la merde. Fume-le. Mais non, y'a pas de fume-le, moi je suis caché. Fume-le par derrière, Nino, wesh. On est plus là. Mais wesh, il a un minigun. Nino, aide-moi. Wesh, gros, un militaire. Mais aide-moi, tape-le. Non, on peut pas, moi, on est caché, moi et Félix, ok? Oh mon dieu, ah bah alors bouge pas. Oh. Je l'ai buté. Oh, et on peut récupérer son arme ou pas? Non, mais j'ai une émeraude. Nino, tu sais ce que je vais tester. Non, Ninjax, on tape pas un chat, franchement. Mais je le caresse un peu fort. Viens ici, Félix. Je le caresse. Oh mon dieu, il a des Uzi. Il a des Uzi, wesh. Qu'est-ce que t'as fait, putain, Ninjax? Aïe, fuis. Ferme. Ninjax, pourquoi t'as fait ça? Je voulais tester. Ah, mais gros, il y a des tests à faire et d'autres non. Bah, là, maintenant, il y a un chat Uzi. Nino. Oui. Pour l'instant, on a vu un chat chelou, un cochon chelou et un villageois avec un minigun. C'est pas le villageois, je l'ai même pas vu ce qu'il avait dans les mains, je me sens enfermé derrière la merde. Non. Oh, trop bien. Tu me redonnes mon pain tout de suite. Donne-moi mon pain. Non. Mais qu'est-ce que t'as fait? On se fait chase, wesh. Oh, ils vont trop vite. Attends, Ninjax, s'il te plaît, Donne le pain. Il se met debout. Il a plus de laine. C'est trop marrant, putain. Genre, attends, quand il s'est transformé en gangster, il a perdu sa laine. C'est quoi ces animaux du ghetto, frère? Bah, je sais pas, moi. Non, attends, donne-lui du pain. Eh, mec. Eh, je suis un blood. Ouais, je m'en... Ouais, il veut pas de pain. Aïe. Tu es parti. Attends. Viens, on fait un Shifumi pour savoir qui le tape. Ouais, mais c'est balèze une vache quand même. Ok, pierre, feuille, ciseaux à 3. 1, 2, 3, ciseaux. Feuille. Allez, tu vas le taper. Ah, ça va, bon, regarde pas comme ça, je suis obligé, j'ai perdu un pari là. Vas-y, Nino. Il a une AK. Fui. Attends, ça commence vraiment à partir. Non, c'est trop. Moi j'arrête, je frappe plus personne. C'est Minecraft GTA. C'est un peu ça quand même, non? En vrai, c'est vrai, dans GTA, je joue pareil, voilà. Tu dis un truc de mauvais, paf, ça te bat. Nino, ok. Bon. Je sais pas quoi dire. Non mais gros là y a plus de sens hein. Vraiment, y a plus aucun sens. Ouais, je pense que on a pas. Eh mais moi franchement, je trouve que c'est une revanche sur la vie. Pour tous ces animaux que t'as buté. Ouais. Eh ben hop revanche, c'est toi qui vas tous les frapper maintenant. Et ouais Billy Croquette, maintenant on se sent pas bien hein. Ok, est-ce que c'est toi qui as l'épée en fer? Ah oui, effectivement, c'est vrai que dans ce terme. Eh oui, hein, oublie pas ça. Hein. Y a des tortues en bas si tu veux. Hein? Y a des tortues en bas. Tu veux que c'est moi qui tape? Vas-y, si je vais taper. Hein. Attends, elles sont en train de bronzer là? Bah ouais. Eh mais attends. J'avoue, elles bougent pas trop en vrai. Bon, attends, avant de les frapper. Si tu les frappes, ça peut devenir des tortues ninja. Ouais, ça peut devenir des tortues ninja, c'est vrai. Tu penses que ça va devenir des tortues ninja? Alors là, franchement, si ça devient des tortues ninja, gros, c'est bon. Tape les deux. Ouais. En vrai, s'ils se transforment en temps. Ouais, elle a des katanas. Aïe. Wesh, y'en avait trois. Elles sont multipliées, ce multiclonage. Oh merde, fui. C'est des bots, c'est un grand malade le créateur, j'ai juré. Oh gros, mais c'était tellement évident en fait. Wesh, il y a Donatello, Leonardo et DiCaprio. Regarde leur dégaine. Attends, mais j'avoue, elles sont en mode... Regarde-le lui en bas à gauche là. Attends, tu penses que je peux essayer d'en 1v1? Ah vas-y, attends. C'est moi le vrai ninja ici, je m'appelle... Ninjax. J'arrive, je m'appelle Ninjax. Je m'appelle Ninjax, c'est moi le vrai ninja. Oh, elles sont robustes. C'est bon, je l'ai buté. Bon, Nino, j'ai trouvé une jungle. Je me suis dit, si les tortues se transforment en tortues ninja, tu penses que les pandas se transforment en Kung Fu Panda? Ça peut être une bonne idée.
C'est tellement évident. Bah ouais, donc vas-y, on va essayer de trouver un panda et puis on va voir. Panda. Ouais, ça va, tu crois que c'est facile ou quoi? Oh, un panda, putain. Mais oui, un panda, Nino. Maintenant, Nino, j'ai hâte de devoir te faire déboîter la bouche par un maître du kung-fu. S'il me regarde, putain. Il t'a du bambou, tu sais, donne-lui avant, peut-être ça va économiser des coups. Oh, les cris qu'il fait. Oh non, c'est trop mignon. Donne-lui le bambou. Oh ouais, regarde. Oh non, je peux pas le frapper. Donne-lui le bambou, tu vas voir. Hop là. Oh. T'as vu? Oh non! Et gros, il faut que je frappe ça! Ouais, maintenant tu. J'ai hâte de. C'est si mignon et si gros à la fois qu'il pourrait me briser en deux! Peut-être il se transforme pas, hein! Attends, et s'il mange et que je le frappe pendant qu'il mange? Mange. Oh! Un maître du kung-fu! Tiens, aïe! Oh putain, il fait trop mal! Fuis, Nino, fuis! C'est kung-fu panda! Et ouais, tu vas faire quoi maintenant, hein? Tiens, nulos! Oh! 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 Je dégage! Je rigolais! Le tue pas, viens juste enfuir! C'est bon, ouais, on va fuir, ouais, on se barre. Au revoir, Kung Fu Panda. Ah bah tiens, Nino, tiens, ah bah parfait. Il y a un truc qu'on n'a pas testé, c'est les poules. Un super basique. Peut-être ça s'ensemble pas, vas-y, viens, t'appelais. Viens, on fait une déduction de ce qui va se passer ou pas. Ok, vas-y, moi je parie 100 balles pour qu'il y ait un bazooka. Une poule avec un bazooka? Ouais, je sais pas, ça me paraît dérisoire, ça me paraît vraiment pas mal. Pourquoi c'est tellement possible? Bah c'est parce que depuis tout à l'heure, on affronte des mobs moi, de GTA. Moi, il y a une logique qui me dit que plus c'est petit, plus c'est grave. Ouais, c'est vrai, c'est pas con. En plus, elle me regarde bizarrement. Tu veux qu'on va te battre? Elle me regarde bizarrement, ouais. Vas-y. Non, tu l'as pas tapé. Oh putain, je l'ai raté. J'arrive pas à y croire, j'étais à un mètre d'elle. Elle a... Oh mon dieu. Non. What the fuck. T'étais là, et puis t'as disparu.